Depuis Prosper Mérimée, le père fondateur de la protection du patrimoine en France, les monuments historiques et les quartiers alentours sont protégés. Leur restauration doit respecter les règles de l'art. Mais la restauration devrait concerner toute construction qui constitue le patrimoine de pays. Nous sommes dans la Maison des Têtes, donc un bâtiment du 16e construit par un professeur d'université de Valence de l'époque, et qui est le siège du service départemental de l'architecture et du patrimoine dont j'ai la charge. Donc je suis Éric Fanière, architecte des bâtiments de France, responsable de ce service, et nous sommes passionnés par tout ce qui est restauration, usage des matériaux anciens, dont la pierre et la chaux au premier chef. Aujourd'hui, il y a 60% du marché du BTP qui est consacré à la réhabilitation ou à la restauration. Donc, l'utilité de la chaux est non seulement avant tout une utilité constructive, mais il ne suffit pas d'employer le bon matériau, il faut aussi avoir les connaissances des méthodes d'application. Donc, il faut apprendre. On est dans une période tout à fait paradoxale, où à la fois depuis 20-25 ans, ce sont des sujets que nous travaillons au quotidien avec les différents organismes de formation. Mais par rapport à cette amplitude du marché, on s'aperçoit qu'il y a finalement peu de gens qui se forment réellement. On est loin d'avoir 100% des artisans qui se spécialisent. Ça, plus la difficulté du monde artisanal aujourd'hui, où face à la préfabrication, face au gain de coût, etc. Être artisan aujourd'hui, c'est relativement une gageure. Il faut vraiment avoir une dose de passion et d'intérêt. Ça va avec une sérieuse dose aussi de formation, y compris de culture générale, puisque les artisans, finalement, décident beaucoup de choses et la qualité de ce qui est réalisé dépend de leur savoir-faire. Il ne suffit pas de prescrire, il faut savoir ce que ça va donner exactement. Et c'est cet aller-retour de la connaissance entre la théorie et la pratique qui est absolument important. D'ailleurs, je conseille à tous les architectes qui s'intéressent à ces sujets-là de faire des stages, de façon à avoir eux-mêmes mis la main à la pâte, de façon à savoir de quoi ils parlent quand ils font des prescriptions. La chaux est fabriquée à partir de pierres calcaires. Celles-ci sont installées dans des fours. C'est la proximité de pierres calcaires, de bois de chauffage et d'eau qui permettait la construction de fours à chaux. Aujourd'hui, la production se fait d'une manière industrielle. Après cuisson entre 900 et 1000 degrés, la chaux est éteinte avec de l'eau. Selon sa teneur en argile, elle devient une chaux aérienne ou une chaux hydraulique. Depuis toujours, elle sert de liant pour bâtir, enduire et peindre. Aujourd'hui, les industriels, à côté d'une large gamme de produits prêts à l'emploi, proposent des chaux naturels. Le professionnel saura faire la distinction entre naturel et artificiel, entre chaux et ciment. Nous nous intéressons à deux grands problèmes, c'est la préservation du patrimoine, premier problème. Autre problème qui est souvent lié à cette préservation du patrimoine, c'est aussi la notion de qualité environnementale. Les anciens, quand ils construisaient, généralement, la bâtisse était saine, ça se passait assez bien. Le danger qui guette l'artisan et aussi l'artisan du bâtiment, c'est l'industrialisation à outrance. Le danger qui guette l'artisan, c'est qu'il ne devienne à un moment qu'applicateur de produits. Et l'artisan du bâtiment a tout intérêt à se réapproprier
la science, la connaissance. Il va falloir effectivement que je vais le dire très brutalement, que je me débarrasse de 50 ans de culture mortier de ciment. Les prescripteurs n'osaient pas prescrire de la chaux parce qu'ils ne savaient pas s'il y avait des artisans qui étaient capables de le faire. Et des artisans qui savaient le faire peut-être se vendaient pas assez auprès des prescripteurs pour leur dire « nous on sait faire, prescrivez de la chaux ». Donc c'est pour ça qu'en travaillant avec les architectes et les prescripteurs, on arrive à avoir peut-être une communication meilleure et ça va nous permettre de travailler ensemble et de pouvoir represcrire la chaux, ce qui peut-être fera avancer les choses. Nous formons des artisans pour la chaux et aussi nous leur permettons avec le CIP Patrimoine par exemple d'être plus près des monuments, des patrimoines historiques, ce qui leur permet aussi d'incorporer la chaux dans ces travaux-là. Le CIP Patrimoine c'est une formation qui a lieu dans nos CAPEB avec soit des architectes des bâtiments de France, soit des gars qui sont un peu impliqués là-dedans dans le patrimoine. Et c'est une formation où on vous parle du patrimoine ancien, l'architecture, différentes sortes d'architecture dans les temps, et aussi la façon de regarder un bâtiment, de prescrire aux clients des différents travaux à faire. C'est une carte d'identité, hein, en fait, c'est une carte d'identité professionnelle, CIP, ce qui nous permet de pouvoir dire nous sommes qualifiés, nous pouvons faire tel et tel travaux. Certains maçons ont toujours travaillé avec des matériaux traditionnels. Avant, le sol avait resté là. On avait caissé 2 mètres à peu près. Donc nous avons descendu tous les murs. On a recueilli les murs. On a recueilli un petit peu les voûtes. On a repris le sol en pierre, qui a enlevé les roches. Le pilier donc, a été descendu. Et on a restauré la partie de tout. La chaux, bon, c'est un matériau qui est très ancien, hein, puisqu'on le retrouve utilisé par les Chinois, les Égyptiens, les Romains, entre autres, les Grecs. Et puis en plus, il y a la particularité de laisser respirer le bâti, les murs, puisque bon, l'hydrométrie, elle rentre, elle sort, en fonction de... En hiver, on a tendance à conserver la chaleur, en été, elle restitue de la fraîcheur. Et ça fait, c'est un isolant par lui-même. Hein. Enfin, dans un bâtiment tel que celui-ci, qui est quand même déjà plusieurs siècles, c'est une hérésie d'employer du ciment. Nos anciens, ils ont payé des matériaux, sable. Le sable, il était sur place. Hein. La chaux, il y avait des fours à chaux qui étaient pas loin non plus. Hein. Les galets, donc c'est les galets qu'on voit autour, c'est les galets des vignes. Hein. On n'a fait que pérenniser ce qu'ils ont fait. D'autres maçons, par contre, ont découvert la chaux au cours de l'exercice de leur métier. En fait, on est dans un site classé, donc une reconstruction, c'est forcément, ou une rénovation, c'est forcément avec des façades en pierre. Il n'y a pas d'enduit au ciment dans tout le village. Tous les murs extérieurs sont forcément en pierre. Donc là, il n'y avait pas le choix. Le choix architectural était imposé. C'est aussi par goût, les gens habitent ici parce que ça donne. Il y a un cadre qui est exceptionnel, quoi. On a à l'extérieur donc l'habillage en pierre et côté intérieur on a un enduit chanvre sur 4 ou 5 cm et un enduit sable et chaux en finition qui doit rester comme ça pour la plupart des pièces. Donc ici on a une jaune, une verte pétante. Regarde un peu. La cliente par-dessus repasse une couleur de son choix et de sa préparation à base de chaux. Sur cette terrasse, on est en train de faire une chape à la chaux qui va servir d'étanchéité. Sur cette chape-là, il n'y aura pas de goudron, il n'y aura pas de produit autre. La seule étanchéité est assurée par la chape en chaux hydraulique. Alors, pour obtenir ça, on mélange la chaux avec de la ponce et de la silice. On réalise là une chape qui va faire 60 mètres carrés. Il n'y aura aucun joint de dilatation, ni périphérique, ni de fraction. Là, on est un petit peu
entre guillemets, hors DTU. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce type d'essai. Ceci dit, le risque est très petit parce qu'on sait déjà que notre chape est étanche. Donc là, on réalise la dernière couche teintée qui est finie. Mais on sait déjà, la première couche qu'on a mise a amené déjà l'étanchéité. Voilà. Mais ça, c'est ce que l'on redécouvre, parce que ça se fait dans les pays du Maghreb, ça se fait en Italie, encore, ça se fait dans des pays de l'Est. Nous, chez nous, en France, il y avait longtemps qu'on avait arrêté ce genre de choses. J'ai appris mon métier avec le ciment. D'ailleurs, la chaux, on nous disait, c'est un truc de vieux, ça, c'est faut oublier, c'est fini, on n'en parle plus. Ça. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une opération façade à Montélimar, l'opération façade à la chaux, bien sûr. Et moi, je me suis inscrit dans cette démarche. Alors au début, on faisait beaucoup de mortier bâtard parce qu'on avait tous, malgré tout, un peu peur de cette chaux qu'on ne connaissait pas, de ces mélanges, de ces réactions, de tout ça, on ne savait pas. Et puis un jour, je me suis dit, bon, c'est pas possible, si les anciens le faisaient, on doit pouvoir quand même revenir à ça. Et donc on a commencé à faire que des mortiers de chaux. La chose, c'est il faut vivre avec. Je veux dire par là que le ciment du 1er janvier au 31 décembre, on peut faire du béton, il n'y a rien qui nous arrête. La chaux, on est obligé de vivre avec elle, d'anticiper ses réactions par rapport donc, au support, par rapport au temps, par rapport à ses dosages, par rapport au mélange avec lequel les agrégats avec lesquels on va la mélanger. C'est une autre vue du maçon, ça n'a plus rien à voir. On ne devient pas professionnel d'un coup de baguette magique. Maîtriser les savoir-faire nécessite un long apprentissage. Bon, ici, ils apprennent tout ce qui concerne la restauration du patrimoine bâti. Ça va des systèmes constructifs, moulures, enduits de décoration, les stucs, sgraffito, peinture minérale à la chaux, et après tout ce qui est décor. On va jusqu'à la fresque. Décor en fresco. Nous avons mis en place des formations qui sont destinées à différents publics, des publics de jeunes, des publics de femmes, des publics de travailleurs handicapés, nous l'avons vu déjà, puisqu'on a déjà formé des sourds au métier de la peinture, et puis des publics, bien entendu, demandeurs d'emploi. Alors, notre réponse formation a été donc de deux types. Ce sont des parcours de 700 heures environ, dont 280 heures en entreprise, donc si vous voulez, ça fait entre 5 mois en centre, au Greta, et puis 2 mois en entreprise. Et l'objectif de la formation, c'est d'en faire des peintres décorateurs du patrimoine. Le second volet, ce sont des formations destinées à des salariés d'entreprise, donc dans le cadre de la promotion, professionnelle de ces salariés, des modules courts, de 4 à 10 journées de formation, toujours sur les techniques enduits, badigeons, réalisation de moulures, pour permettre justement aux entreprises de pouvoir développer leur offre qui n'était pas adaptée ou mal adaptée à la diversité de la demande. Éventuellement dessus une petite prise avec on verra si ça se passe harmonise. On va bien récupérer le dessin qui va Il était très important en ce qui nous concerne que les stagiaires qui étaient là dans le cadre de formations longues, notamment de formation de demandeurs d'emploi, puissent trouver un emploi à l'issue de la formation. Et là, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait, au niveau de cette chaîne, de cette transmission, depuis le public, grâce à des financements du conseil régional et d'autres types de financements, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème pour placer ces gens en entreprise. Et donc toute la synergie développée par ESSAC est là, l'objectif est véritablement de créer un pont, de créer des liens entre
tous les acteurs et les décideurs du patrimoine, depuis eh bien, nos publics qui ont besoin d'être impliqués au niveau de leur intégration professionnelle, jusqu'aux particuliers qui sont en attente d'avoir un conseil judicieux pour valoriser son bâti. Dans le cadre des formations, des chantiers techniquement difficiles sont réalisés. Il y a un certain nombre de problèmes sur ce bâtiment. Il y avait un défaut d'entretien, notamment en termes de toiture, ce qui fait qu'il y a eu des fuites d'eau qui ont occasionné des dégâts supplémentaires. Donc il a fallu refaire, notamment dans les parties hautes, et on s'est dit que le mieux c'était de refaire au complet tous ces espaces publics. Bon. Ici, je voulais, moi, qu'il y ait un respect à la fois du bâtiment et des traditions. C'est un musée, hein, donc on n'allait pas refaire du neuf. Quelqu'un m'a parlé du Greta en me disant, mais justement, il y a un stage en préparation, donc j'ai pris contact. Au départ, il était question de rafraîchir les façades, donc de faire disparaître les dégâts de l'eau, de remettre ça propre. En fait, ce qu'on voulait, c'est que ce soit propre. Et là aussi, de fil en aiguille, de découverte en découverte, et puis de mise en œuvre en mise en œuvre. Parce que les stagiaires aussi se sont beaucoup motivés, sont bien impliqués là-dedans, il en est ressorti quelque chose qui était complètement différent de ce qui était pensé au départ. Au départ, ça devait être blanc, puis point. Ce couloir était auparavant ou anciennement une rue. Le conservateur avait le souci de garder cet état d'esprit de rue ou de ruelle, d'où d'ailleurs c'est un peu ces lampadaires. Et puis les sous-bassements, c'est un faux appareillage, c'est une création, c'était une proposition de projet. Il n'y avait pas d'existence à l'origine, et c'était pour faire la bordure des murs. C'est un travail de pigmentation avec de l'ocre jaune et puis de l'oxyde noir pour le filet. Sous les anciennes peintures, on a retrouvé ce faux appareillage. Et puis il y a aussi cette frise qui est aussi une frise qui avait été découverte dessous les anciennes peintures. Il y a un immense et monstrueux câble EDF qui cassait toute cette ambiance. On en est abouti à faire le choix avec le conservateur de faire une corniche imitation fausse pierre. Ah, création d'une frise. Donc un pochoir, recherche de couleurs. Et là, le dessin, ben, a représenté des arches. Et le blanc, ce sont les traits d'appareillage de pierre. Donc c'est le pochoir qui a été retenu. Le plus gros, c'était gratter tout ce qui était peinture ancienne. Donc ensuite, reniveler le mur avec de la silice, très, très fine, du sable très fin. Passer du badigeon pour retrouver la couleur blanche. Et ensuite tout ce qui est décor avec à l'aide de pochoirs, deux pochoirs en tout pour tout ce qui est frise et tracer les filets à la règle et peint au pinceau. Donc voilà. Et puis sinon il y a aussi la petite niche. On a un divisoir de cheminée, donc il a fallu traiter à la caséine pour donner un peu de forme à la niche à l'aide de plâtre et de sable pour donner cette imitation pierre. La mouleur qui était là-haut, donc à l'angle, au plafond, était tombée et il a fallu donc la reconstituer et la remettre en place. Nous avons eu un travail en atelier pour la création de la moulure en deux parties, ensuite mise en place grâce à un échafaudage bien sûr, et pour rattraper toute cette forme de moulure pour que ça soit le moins possible. Sous la peinture grise d'ailleurs, qui était également dans le couloir, il y a eu un entablement qui a été retrouvé, un entablement peint. Et cet entablement, vraisemblablement, faisait le tour du hall d'entrée et donc il était sur les quatre faces de mur. C'était bien parce qu'on a découvert plein de choses, il y avait tout. On est parti de la construction, l'enduit, le badigeon basique, la coloration, les peintures, les parties de décor, créer des parties de décor, tout ce qui est modénature, moulure, on a quasiment fait tout, presque tout. Architectes, artisans, maîtres d'ouvrage, formateurs et stagiaires animés par la même passion, se sont réunis lors des 7e journées du patrimoine de pays à Grignan.
Pour Bâtiment de France, il y a deux raisons pour le chaud. Une, c'est vraiment une raison technique, c'est que les bâtiments en pierre, ils ont besoin d'être protégés et c'est l'enduit à la chaux qui les protège. Souvent, les gens qui font des travaux, ils ont cette idée à la mode que la pierre apparente, c'est super beau. Et en réalité, c'est dommage parce que c'est la plupart de maisons à Grignon, ils avaient tous eu un enduit à l'époque. Mais comme ce village était assez abandonné, tous les enduits sont tombés. Et puis c'est vrai qu'on a dans nos têtes les images de la pierre apparente. C'est beaucoup mieux s'ils soient protégés avec un enduit à la chaux. Et insistons, pas n'importe quel enduit. Il devrait pour être vraiment bien 100% à la chaux. L'avantage qu'on a, nous, par rapport aux grosses entreprises, c'est que s'il y a 10 personnes qui travaillent sur un chantier, il y aura 10 personnes de qualifiées. Les grosses entreprises, il n'y a souvent que le chef de chantier qui qualifie, le restant, c'est au petit bonheur de la chance. Et t'as appris des choses ou quoi? Ah ouais, j'ai appris des choses, évidemment. Enfin, surtout la rencontre avec les gens, c'est plus bien. Et si vous faites du métier, tout ça Ah bah je suis là pour ça, hein. J'étais à la formation de Greta, j'étais pour apprendre. Une passion se vit et se partage. Cette journée a pour but de sensibiliser professionnels et grand public aux techniques de la chaux. Le carreau, c'est un plat très chaud avec de la ponce. Voilà. Donc le secret de la dureté de ce carreau, c'est avant tout le fait de mettre très peu d'eau. Il faut de l'eau pour que les liens fondent, sinon on ne peut pas l'installer. Mais on a du mal à l'installer dans le moule. On est obligé de l'envoyer avec force. Et avec le platoir italien, on le fait transpirer. Mais au départ, il est presque imbougeable. C'est le secret des staffeurs. Regarde la différence, c'est enfin un chanvre mouillé et un chanvre qui est sec. Il va poissonner, comme on appelle. Donc quand tu peux faire un chanvre, il faut le faire poissonner. Si tu le fais poissonner, c'est juste qu'il va boire l'eau de la chaux. Regarde comme il gonfle. Tu vois comme il gonfle là. C'est pas bon ce qu'ils font là. Il faut 3-4 jours avant faire poissonner un chanvre. Mais Philippe, ça c'est des murs qui peuvent être extérieurs. Il y a un monsieur qui se lève. En extérieur, on va gagner une régulation thermique. D'accord, mais on va pas. On n'a pas un cocon énergétique. Ah, d'accord. Là, surtout, vous avez un produit qui respire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tous les problèmes. Par rapport aux. Surtout aux vieilles maisons, oui, voilà. C'est que vous avez un échange entre l'intérieur et l'extérieur qui fait que votre mur n'est jamais humide. Là, avec le thermique dynamique, avec le principe silice qui est dans le chanvre, avec la chaux, la cour pouzzolanique et tout ça, on crée une enveloppe bioénergétique protectrice. Donc ce qui se vit dedans, dans ce microclimat, ça nous permet de nous développer physiquement, moralement et spirituellement. Et socialement, bien entendu. Parce que quand on est bien dans tous ces domaines-là, on n'a qu'une idée, c'est de partager et de voir dans l'autre la beauté de la différence qui est en nous aussi. Les stagiaires ne sont pas les derniers à communiquer leur passion. Et avec un crayon, on repasse sur le cadre, comme font les gars les enfants, hein, tout bêtement. Et après, donc, ça laisse un peu la marque. C'est quoi d'ailleurs comme support comme c'est matériel, c'est du plastique. Dessus. C'est du stuc. Bon, c'est pas l'idéal. C'est quoi c'est un mélange de quoi le stuc? C'est de la poudre de bain avec de la chaux. Il y en a sur Valence. Vous avez eu l'occasion d'aller sur Valence, vous irez vers Utopia là. Quand on pratique, on peut arriver déjà à savoir quel est le pigment qu'on va utiliser. Ça c'est déjà un point important. Parce que j'ai quand même des projets d'avenir assez long terme au niveau du bâtiment, donc la restauration du patrimoine bâti. La réhabilitation du patrimoine, tout ce que j'ai pu suivre donc au niveau du Greta. Et je pense que je vais réintégrer l'entreprise qui m'embauche pour l'instant pour quelques mois et qui me donnera le temps de créer une petite entreprise. Moi je connaissais des matériaux tels que le ciment, tels que le zinc, tels que les aglots, tels que les briques, mais
l'approche de la chaux et de tout ce que l'on pouvait en faire m'a ouvert des horizons totalement différents. Et sur le plan humain, ça te donne la pêche ? Oh, totalement. Des journées comme celle-ci, en plus, avec la rencontre d'un tas de gens, des professionnels qui sont là dans le métier depuis X années, des débutants, et puis en plus, une clientèle potentielle qui est là et qui pose des questions. Ah oui, il me donne une pêche totale. Moi, au départ, en fait, j'avais aucune expérience dans tout ce qui était bâtiment, même décoration, à part chez moi, un petit peu comme ci, comme ça. Quoi. Mais j'ai toujours aimé tout ce qui était bricolage et tout ce qui était manuel, en fait. Ça passait par tous les matériaux, mais rien de vraiment précis. Et un jour, j'ai visité les ateliers et vraiment, ça m'a... Ah oui, c'est en visitant les ateliers. C'est vrai, je me suis rendu compte, tout ce qu'on peut faire, puis avec des matériaux nobles, quoi, enfin, vraiment, puis c'était à ma portée, c'est pas de la taille de pierre, c'est pas de la sculpture, c'est vraiment dans la matière. Les copines viennent travailler parce qu'ils ont bien d'amis. Voilà. Ça se voit. On a fait une démonstration rapide pour vous faire voir que voilà ce que ça donne. Et l'épaisseur idéale pour l'isolation. 25 cm. Je suis venue aujourd'hui pour un petit peu me renseigner parce qu'on a acheté une vieille bâtisse. D'accord. Qu'on va absolument vouloir rénover mais à l'ancienne. On ne veut pas de matériaux tout fait, tout préparé. Donc j'ai voulu venir voir un petit peu aujourd'hui ce qu'il en était. Ça m'a passionnée et j'ai pris donc tous les documents de façon à pouvoir faire un stage pour pas faire du n'importe quoi, pour bien apprendre dès le départ et les bases. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu plein de tuyaux et j'ai envie d'aller plus loin dans ma démarche pour avoir du véridique et puis faire des choses bien avec le cœur et avec l'envie. Là, vous allez obtenir des pastels. Et la chaux, tu vois, faut vraiment bien la diluer. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans après, c'est que si tu joues après avec le blanc de la chaux, tu peux jouer sur un dégradé encore plus prononcé. Le maçon qui utilise la chaux naturelle détient un savoir complexe qui allie connaissances techniques et sens artistiques. On a choisi de faire un enduit 3 couches, 2 couches à la chaux hydraulique et 1 couche à l'aérienne qui est peinte à fresque, qu'on voit là. On a un rejointoyage entre les pierres et puis un gopti pour favoriser l'accroche. Donc le gopti, c'est chaux hydraulique dosé à 1 pour 1, 1 pour 2, avec un sable 0,4, rejointoyage également, 1 pour 2, sable 0,4. Et ensuite, on a une couche de dressage légèrement moins dosée, 1 pour 2, 1 pour 2,5. On commence à introduire un sable plus fin dans la deuxième couche. On garde encore du 0,3. On met des calicots sur des anciennes fissures, des calicots entre les deux. Donc la deuxième couche, ça donne un résultat gris à peu près lisse. Et puis en troisième couche, on a une couche donc à la chaux aérienne avec granulométrie 0,1 à peu près, pain à fresque. Donc on passe la couche et le matin et puis dans l'après-midi, on va passer la couleur de fond, tracer les motifs. Là, je vais faire le bandeau et puis le bouclier. J'ai pu voir 3 chantiers depuis la fin de ma formation. Tu as fait quoi comme chantier ? De l'enduit, principalement. Enduit à la chaux, en intérieur, enduit terre aussi en intérieur, donc. Et puis là, la façade. Là, depuis combien de temps là, tu travailles sur ce chantier ? Ça va faire la 2e semaine. Et tu as fait quoi là aussi ? L'enduit à la chaux et puis les peintures. Donc là, on a choisi de recréer à l'identique les chaînes d'angle. Donc on a retrouvé quelques traces avant de déposer l'enduit. Et puis on a relevé soigneusement le système de tracé, qui est un système de tracé savoyard avec 2 losanges qu'on voit pour calculer la perspective, qui est une perspective cavalière. Et on appelle ça comment ? Sinopia. Sinopia. Quand on fait un personnage,
ça permet à l'artiste de se mettre le personnage bien en tête, et comme ça il va le faire une première fois sur son carton, puis il va refaire son carton, et ensuite il fait un poncif, donc il le refait encore une fois, on le fait là-dessus, on le fait une quatrième fois, et quand on met l'enduit, le motif on l'a en tête. Et alors d'accord. Là ça va très vite. D'accord. Ça c'est un décor qu'on a choisi de rajouter avec le client. Alors c'est le même principe de réalisation, c'est-à-dire que pour les bandes de tissu qui pendent, on a un poncif, on vient repasser au pinceau, donc toujours à fresque, dans les 4 à 6 heures qui suivent la pose de l'enduit. On vient faire le dessin, donc on met des ombres d'un côté, des lumières de l'autre, et puis ça fait apparaître le motif. Et puis pour ce qui est du tissu qui pend, on essaie de reproduire à peu près ce qu'on a. La rencontre entre Anne-Sophie et la Chaux Naturelle a permis l'élaboration d'un projet professionnel. Les coins en maçonnerie à l'identique, à la chaux hydraulique, pour reconstituer la pierre, la molasse avec teinture, chaux hydraulique, chaux aérienne. D'accord. On va pas faire de la molasse, on va faire plutôt comme de la molasse. Comme de la molasse, voilà. D'accord. Et tu vas arriver à retrouver à peu près les mêmes teintes? Ah ben après, nous on teinte, on fait des badigeons derrière. D'accord. Avec des liants pour que ça tienne des années et des années. Et puis de toute façon, la chaux fixera les pigments, on travaille tout au pigment naturel. Donc il va falloir rejoindre tout le bâtiment parce que là on a des infiltrations de plus de 2 cm d'épaisseur. Ça, c'est dangereux, hein, parce que d'abord ça abîme la façade, on a des coulures qui sont moches, hein, on a du blanc partout. Et puis on a des infiltrations d'eau qui se font et on a les moulures qui commencent à être bouffées par l'acidité. Tu as une entreprise et tu peux nous dire d'où tu viens, comment tu as été formé? La société Artco, donc je suis à Valence et je travaille sur 2 départements, la Drôme et le Vaucluse. Et tu as été formé où? Au Greta de Die. Il y a combien de temps? L'année dernière, j'ai passé mon CAP au mois de juin. Et là, 2003. Voilà, donc tu passes juste de la formation à la... Ah, carrément, oui. On y va. Et ton carnet de commandes, il est plein? Ça va, je me plains pas, puisque je travaille 7 jours sur 7 depuis le mois de décembre, donc je me plains pas. Aérienne ou hydraulique, utilisée dans des chantiers de réhabilitation ou des constructions neuves, la chaux naturelle suscite de nouvelles vocations et redonne plénitude au métier de maçon. Anne-Sophie, compagnon, et Didier, artisan, savent tous deux que leur apprentissage ne fait que commencer. La concrétisation de cette vocation n'aurait pas été possible sans coopération entre professionnels de la restauration du patrimoine bâti et les acteurs de la formation du bâtiment. Le projet européen RESAC permet de renforcer cette collaboration. La chaux a un long passé, elle devient un matériau d'avenir.